Bienvenue dans la vidéo du jour 8 dans laquelle j'ai une énergie affreuse que je vais transformer en même temps que je fais la vidéo, parce que c'est tout le propos de ma vidéo en fait. La différence entre se valoriser et se récompenser. J'écris à chaque fois les noms des parties. Ça m'aidera à faire la formation, parce que du coup, dans la formation, je vais reprendre les différentes parties et je vais rentrer dans les détails et dans le concret, dans la mise en application par rapport aux théories MBTI de ce que je te raconte en vidéo. Et ce, parce que cette série vidéo est là, entre autres, pour montrer aux INFJ que on peut faire des actions qui sont très très optimales et que du coup on n'a pas besoin de faire 36 000 actions. Par exemple, là, moi, je tourne une vidéo de plusieurs heures pour ensuite publier des courtes vidéos chaque jour sur la chaîne, et en même temps que je le fais, j'écris le plan d'une formation pour laquelle je suis déjà en train de faire de la pub. Et la formation en question, bah, j'aurai déjà tous les exemples en tête à chaque fois. Il me suffira de regarder la petite vidéo pour savoir, ah oui, à ce moment-là, j'ai pensé à truc, truc et truc. Et du coup, elle est déjà préécrite dans ma tête, donc j'aurai plus qu'à faire ça ensuite. C'est ce qu'on appelle être efficace. Donc ça, c'est, on peut dire merci au NI d'homme et au FE adulte. Pourquoi savoir faire la différence entre les deux? Tout simplement parce que se valoriser permet de dépasser ce que j'ai à l'intérieur de moi là tout de suite, au moment où je te parle. Ça veut dire que je suis de très très mauvaise humeur là tout de suite. Je sais, ça ne se voit pas forcément. La différence entre se valoriser et se récompenser, c'est que se récompenser, c'est se faire plaisir, c'est activer le système de récompense. Et se valoriser, c'est tout simplement agir en amont du système de récompense. Donc c'est exactement la même différence entre voir une notification sur ton portable et obtenir un vrai truc après avoir cliqué sur la notification. Tu vois, le simple fait de voir une notif, ça t'apporte un petit rush agréable. Par contre, quand tu clique sur la notif et qu'il y a vraiment un truc agréable à la clé, ça c'est donc une récompense. Donc c'est se récompenser, c'est se faire plaisir après avoir travaillé. Et le travail que tu as fourni, c'était de cliquer sur la petite notification, et ça t'a demandé moins d'efforts, ou peu d'efforts, ou en tout cas tu l'as fait parce que ton fonctionnement a été valorisé. Et du coup, étant donné qu'on parle depuis le début d'autodiscipline, d'arriver à ne pas se creuser sans arrêt soi-même et se remettre en question, la meilleure façon de ne pas se remettre en question, c'est de respecter notre fonctionnement tel qu'il est, de respecter donc aussi notre identité telle qu'elle est. Quand je parle de notre fonctionnement, c'est pas seulement notre fonctionnement cognitif. Ce qui va rendre ces trucs, l'application de ces trucs spécifiques à chacun, c'est d'une part effectivement que chacun on a notre propre fonctionnement cognitif qui est pas forcément pareil que celui du voisin, et d'autre part on a chacun notre petite identité et qui est encore moins pareille que celle du voisin. Donc les deux, on peut les valoriser, les comprendre sans les juger en dehors de leur cadre de référence, les comprendre tout en les mettant en contraste avec un cadre de référence qui fait que ça va être avantageux de fonctionner comme on fonctionne, d'être la personne qu'on est au sein de ce cadre de référence. Donc c'est exactement le même principe que de se creuser soi-même et de se remettre en question. Quand on se remet en question, c'est qu'en fait, on se place dans un cadre où ce qu'on est, notre fonctionnement n'est pas avantageux, et du coup on se dit, ah ben je dois changer pour être mieux au sein de ce cadre-là. Se valoriser, c'est tout simplement se mettre dans un cadre où ce qu'on est nous fait monter tout seul, exactement comme si tout à coup notre identité devenait une bulle d'air à l'intérieur de nos poumons et qu'on se plaçait dans un cadre qui est l'océan, donc de l'eau pleine de sel, et ben inévitablement ça nous fait remonter à la surface, quoi. C'est physique. Qui on est, notre fonctionnement et notre identité peut devenir ce truc
qui te porte. Et apprendre à se valoriser, c'est apprendre comment se placer dans un cadre pareil. Donc, en fait, ça peut être fait de plein de façons. Il y a certaines façons qui sont immédiates, comme par exemple le truc avec les notifications. Ben, bon, ça, on est humain, on fonctionne tous comme ça. Donc notre fonctionnement fait que, pouf, l'action va être très très facile, passer à l'action va être très très facile, on voit une notif, on clique. Voilà, on est des petits animaux un peu simples par moment. Se valoriser, ça peut aussi demander des constructions un peu plus complexes. Ça peut demander de réarranger un petit peu notre vie, nos relations, etc. Ça fait partie de se valoriser. Et donc, ben, tu l'auras compris, ça n'a rien à voir avec se récompenser, même si ben, au bout du compte ça va nous apporter plus de récompenses, mais en fait la récompense en question ce sera juste le petit rush qui facilite le passage à l'action. Et du coup, pour conclure cette vidéo, en quoi là ce que j'ai fait me permettait à moi de me valoriser et donc de me sentir plus légère et donc de me sentir de meilleure humeur et mieux dans ma peau? Eh ben, tout simplement, j'ai organisé mes pensées. Là, devant toi. En me posant la question de mais comment il faut que je fasse pour me valoriser, j'ai été chercher dans mon grand système de données abstraites intérieures et j'ai organisé mes pensées en fonction de la fois ce qui te plaira à toi, parce que je parle de se valoriser et tout le monde trouve ça agréable, et à la fois de ce qui fonctionne pour moi. Donc là, j'ai complètement tiré parti de mon fonctionnement NIFETI, grand système complexe intérieur abstrait, trié selon ce qui te plaît à toi et ce qui fonctionne pour moi. Bref, j'ai juste fait quelque chose d'extrêmement facile pour moi dans cette vidéo. Qu'est-ce que je vais dire dans la prochaine? La suite logique, et là je vais valoriser non pas mon fonctionnement cognitif, mais ma propre identité, parce que tu l'auras peut-être compris, mais le fil de ces vidéos, le fil rouge, c'est bel et bien mon identité. La logique ne vient pas d'ailleurs. Donc, moi dans mon identité, dans quel ordre j'ai découvert les trucs, dans quel ordre je les ai mis en pratique. Et ben c'était tout simplement, en fait, ben, du coup, dans la prochaine vidéo, je te parlerai de comment on fait pour valoriser notre identité. J'ai hâte de te retrouver pour la prochaine.